De nos jours, alors que la population est majoritairement citadine, les randonnées équestres deviennent de plus en plus populaires. Tout le monde ne peut pas faire de rodéo ou exceller en saut d'obstacles, mais la randonnée équestre est accessible à la majorité d'entre nous. Monter à cheval, visiter le high country et prétendre pour une journée ou pour une semaine que l'on est un cavalier hors pair. Et si vous le prétendez assez régulièrement et assez longtemps, vous pourriez même réellement en devenir un. La randonnée équestre sera donc le sujet de cet épisode de World of Horses, présenté par votre serviteur John Scott. Par une belle journée d'été, un car rempli d'aventuriers qui, pour la plupart, ont parcouru des milliers de kilomètres, arrivent au point de départ de leur parcours, près de la Panther River, sur le versant est des montagnes rocheuses. Ils s'apprêtent à adhérer à l'une des plus vieilles traditions de la randonnée équestre en montagne, l'Ordre des randonneurs équestres des Rocheuses canadiennes, fondé en 1923. Pendant ce temps, 27 chevaux déjà scellés, des professionnels de la randonnée, attendent leur chargement, c'est-à-dire leurs cavaliers. Inexpérimentés pour la plupart, qu'ils devront promener à travers cette région sauvage et ramener à leur point de départ sains et saufs. Où est Brownie Aikman? Votre cheval est là, c'est Jason. Roger Dickinson montera Booba. Comment il s'appelle? Booba. Booba, ça me va très bien. J'ai toujours aimé les chevaux, même si l'année dernière, j'ai eu un peu peur quand je me suis fait désarçonner par mon cheval. C'est la première fois que je remonte depuis cet incident. Pour moi, c'est un vrai retour à la nature. C'est comme ça que les gens ont pu découvrir les Rocheuses à la base. On peut même dire que c'est comme ça que l'Ouest a été découvert. Si j'apprécie particulièrement les chevaux, c'est parce que je faisais partie de ces gamins qui les adoraient, mais qui n'avaient pas la chance de pouvoir les approcher, à part dans les livres, bien sûr. Je n'ai jamais pu vivre une expérience comme celle-ci quand j'étais plus jeune. Les chevaux de randonnée ne connaissent ni la personnalité ni les capacités de la personne qui va les monter. Ils doivent le découvrir sur le tas. Et tout commence dès la première rencontre entre le cheval et le cavalier. Les chevaux sont alors capables de percevoir à travers leurs muscles le niveau de dextérité de leur partenaire, ainsi que la peur ou l'excitation qu'ils auront bientôt à gérer. Annie McHunter? Oui? Je retrouve mon cheval! Super! Oh, je suis tellement contente de le retrouver. Je l'ai déjà monté l'année dernière. C'était ma première expérience, ma première randonnée, et j'étais tombée sur cet adorable cheval. Je suis vraiment ravie de le retrouver cette année. Ils m'ont tous l'air aussi bien les uns que les autres. Tous assez calmes. Je pense pas qu'ils me feront tomber de ma selle. Enfin, j'espère. Il s'appelle Billy. Dans mon bureau, j'ai accroché une petite touffe de sa crinière sur le panneau d'affichage, juste à côté de mon bureau. En fait, l'année dernière, j'avais coupé quelques crins de sa queue pour les accrocher là et me faire un petit souvenir de lui. Je suis assistante sociale en clinique. C'est un métier très stressant. Alors, quand ça devient trop éprouvant, je regarde cette petite mèche de crin et je me dis « Courage, il y a aussi des choses positives dans ce monde. » S'il vous plaît, tout le monde monte sur son cheval. Assurez-vous que vous êtes à l'aise dans vos étriers et qu'ils sont à la même longueur de chaque côté. Pour aller à gauche, faites comme ça. Et comme ça pour aller à droite. Pour vous arrêter, tirez sur les rênes. Mais si vous tirez trop fort, votre cheval reculera. Évitez ça. Il s'agit là d'une expérience vraiment unique. Il y a quelques instants, vous étiez un citadin dans un car. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez à dos de cheval, prêt à affronter la montagne, à franchir des rivières et à gravir des sentiers étroits. Et si tout cela est possible, c'est grâce à la ténacité d'un cheval de randonnée. Faire partie des participants à la randonnée est une chose, mais devoir l'organiser en est une autre. Tandis que les cavaliers entament leur excursion, l'organisateur Kevin Stanton et son équipe s'occupent de charger les bagages et les provisions sur les chevaux de bas. Il faut préparer les chevaux, s'occuper de l'équipement et gérer les réserves de nourriture. Le plus gros du travail, c'est d'organiser le transport. Qu'il s'agisse d'un voyage d'une seule nuit ou d'une durée d'une semaine, il faut s'assurer que tout se déroulera sans encombre.
Pour transporter la nourriture et les bagages, un chariot bâché tiré par des chevaux de trait est une méthode qui a largement fait ses preuves. Mais si Kevin Stanton l'a choisi, c'est pour répondre à un souci plus contemporain. De nos jours, les problèmes environnementaux concernent aussi les activités équestres. Utiliser un chariot bâché permet de réduire considérablement l'impact sur la nature. On peut transporter plus de choses tout en utilisant moins de chevaux. Ça permet que le sol soit moins abîmé. C'est une des raisons pour lesquelles on a opté pour cette solution. Les chevaux montés par les randonneurs sont également fournis par Kevin Stanton. Il nous explique quelles sont les méthodes employées pour faire de ces chevaux les montures à toute épreuve dont ces cavaliers ont besoin. Tout d'abord, les chevaux les plus jeunes sont utilisés comme chevaux de bât. Pour moi, le choix des chevaux est très important. Ils doivent accepter de marcher en file indienne et savoir gérer toute l'agitation autour d'eux. Mais je n'ai reçu que d'excellents commentaires sur le comportement de mes chevaux. Je pense que l'organisation y joue pour beaucoup. Il arrive que nos clients qui reviennent plusieurs années demandent à pouvoir monter à nouveau le même cheval. On s'arrange alors pour respecter leurs souhaits puisqu'ils avaient tellement apprécié leur monture. On essaye de garder les mêmes chevaux. Certaines de nos bêtes ont jusqu'à 35 ans. Tant qu'ils ne représentent pas un danger et qu'ils ne faiblissent pas, on les garde avec nous. En continuant à organiser des excursions à travers les Rocheuses canadiennes, Kevin Stanton perpétue une longue tradition de randonnée équestre dans les montagnes rocheuses. Les premiers guides furent les populations autochtones qui permirent aux explorateurs, aux fourreurs et aux chercheurs d'or de trouver leur chemin à travers les montagnes. Le tourisme et les randonnées en montagne apparurent peu de temps après, sans doute bien plus rapidement que ce que l'on pourrait croire. Lorsque le chemin de fer fut installé dans les Rocheuses, dans les années 1880, nombre d'aristocrates vinrent s'aventurer dans la région, et beaucoup d'entre eux étaient déjà habitués aux chevaux. L'ordre des randonneurs équestres des Rocheuses canadiennes fut ainsi créé sous une tente pendant une tempête de blizzard en 1923. Alors qu'ils attendaient la fin de la tempête, près de Tumbling Glacier, 14 cavaliers décidèrent de fonder un groupe de randonneurs équestres à travers la montagne. Moins d'un an plus tard, l'ordre voyait le jour et se consacrait uniquement aux excursions en montagne, à l'art de monter à cheval, à la création de pistes de randonnée, le tout dans une ambiance de franche camaraderie. Les randonneurs avaient pour habitude de s'arrêter à Tipee Town et de chanter autour d'un bon feu. En 1932, le regretté Wilf Carter fit ainsi ses débuts en tant que chanteur pour les randonneurs. Il rencontra un énorme succès et continua à se joindre à leurs excursions pendant une longue période. S'il y a bien une famille que l'on peut considérer comme les rois de la randonnée équestre au Canada, eh bien la femme de Kevin, Janet Brewster Stanton, en fait partie. Sa famille, les Brewster, sont arrivés d'Irlande pour s'installer à Ontario au milieu du 19e siècle. Elle a ensuite suivi les constructeurs du chemin de fer à travers la montagne. Et depuis, elle domine toute activité artistique ayant un rapport avec la randonnée équestre dans les Rocheuses. Ils étaient 6 garçons et une fille. Grand-père Bill, de son vrai nom Bill Brewster, était l'aîné des garçons. C'était mon arrière-grand-père. C'était une grande famille, très douée pour les affaires. Ils avaient une laiterie, une pension pour chevaux, un dancing. Ils cumulaient les activités. Mais depuis toujours, ce qu'ils aimaient avant tout, c'était la montagne. Ils adoraient organiser des excursions et des visites dans les montagnes, et de nos jours, notre famille continue à le faire. Bill et Jim ont commencé à organiser ces excursions quand ils avaient 10 et 12 ans, avec l'aide de quelques Indiens Stoney. Dès leur arrivée, il y a toujours eu des liens très forts entre ma famille et les Indiens Stoney. Ils ont même accordé le titre de chef à mon grand-père, Claude. Lorsqu'il est mort, dans les années 60, j'avais environ 6 ans. À son enterrement, j'étais assise sur les genoux de ma grand-mère et il y avait environ 200 autochtones présents à la cérémonie. Ils ont d'ailleurs organisé un service mortuaire selon leur tradition. C'était absolument incroyable.
Le tourisme a beaucoup changé. Nos activités se sont considérablement transformées, mais les chevaux, eux, restent toujours les mêmes. Si vous observez quelqu'un harnacher un cheval, vous verrez qu'il fera la même chose qu'il y a 75 ans. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on peut encore monter à cheval et découvrir les montagnes et la vie sauvage. Même pour quelqu'un comme moi qui a travaillé dans ce milieu toute sa vie, ça reste tout de même quelque chose de magique. Sur les hauteurs de la Red Deer River se trouve le Alberta Frontier Wilderness Adventures, un ranch tenu par Ed Walker et sa famille, qui organise des randonnées équestres à travers la région. Le centre des opérations, c'est Frontier Town. C'est une région très hétéroclite qui nous permet de proposer une sélection de pistes très variées, correspondant à différents niveaux de compétences. Je la compare généralement à une station de ski, car on trouve aussi bien des pistes pour débutants que des pistes noires. Ed Walker a passé sa vie entouré de chevaux et met ainsi ses connaissances au service de l'art de la randonnée équestre. Quand j'ai rencontré ma femme, il y a 29 ans, on a d'abord élevé du bétail pendant un certain temps ici en Alberta. Ensuite, je me suis lancé dans une carrière de rodéo pendant plusieurs années. Je suis donc toujours resté en contact avec les chevaux. Pour moi, c'était une façon idéale de gagner ma vie grâce aux chevaux. Toutes nos excursions démarrent généralement vers 10h30. Donc, en fonction du nombre de participants, on doit commencer à regrouper les chevaux vers 9h ou 9h30. Ça leur laisse 1h, 1h30 pour manger. On alterne entre les différents chevaux pour que ceux qui ont déjà travaillé dur puissent prendre le temps de manger davantage et rester au ranch pour pouvoir récupérer. Cette randonnée au départ de Frontier Town commence malheureusement sous la pluie. Mais bientôt, le soleil montre le bout de son nez. On peut enlever nos manteaux, on n'en aura plus besoin. Même un moment aussi anodin que celui-ci, le temps d'enlever une veste, peut devenir dangereux si les chevaux ne sont pas correctement entraînés. Observez comment Ed apprend au cheval à gérer ce genre de situation. Il frotte un imperméable sur l'intégralité de son corps, afin que le cheval n'ait pas de réaction imprévisible si un touriste venait à faire la même chose. Ça paraît tout bête, mais j'essaye toujours de me mettre dans la peau de mes invités. Beaucoup d'entre eux vont avoir tendance à être un peu brusques et à secouer leur veste dans tous les sens. Ils vont lâcher leur rein sans faire attention. Même si le cheval est très intelligent, s'il est un peu émotif, il risque de se mettre en mouvement, ce qui peut s'avérer dangereux. Vous remarquerez également qu'Ed accomplit délibérément cette tâche dans le lit d'une rivière asséchée où il est difficile de se déplacer. Il veut ainsi apprendre au cheval à gérer plusieurs désagréments en même temps. On voit passer beaucoup de chevaux chez nous. Même s'ils ont déjà été dressés, qu'ils ont environ 10 ans et qu'ils sont assez calmes, il y a tout de même beaucoup de choses auxquelles ils n'ont jamais été confrontés. Les imperméables, par exemple, les animaux sauvages, les voyageurs qui se promènent avec des sacs à dos fluorescents, les automobiles, les vélos. Les chevaux doivent aussi impérativement être entraînés à traverser les rivières. Brady Walker passe donc beaucoup de temps dans l'eau et traverse encore et encore les courants puissants et les eaux profondes de la Red Deer River pour habituer ses montures. Traverser une rivière peut paraître banal, mais c'est pourtant dans ces moments-là qu'il peut se passer de nombreuses choses inattendues. On emmène ses chevaux avec nous, on les oblige à pénétrer dans des eaux profondes. On doit alors compter sur leur bon sens et sur la façon dont ils pensent pour pouvoir traverser cet obstacle. Vous savez,
On peut facilement se retrouver dans le pétrin au beau milieu d'une rivière. S'il se passe quelque chose, par exemple, si quelqu'un s'éloigne de la piste ou du groupe pendant la traversée, si le cheval se met à paniquer dans l'eau, ça peut vite tourner au drame. Alors on se montre vraiment très prudent. Tous les chevaux ne sont pas faits pour la randonnée. Savoir repérer et entraîner les plus doués est un art à part entière. Dans ce métier, ce n'est vraiment pas facile de trouver de bons chevaux. Ces dernières années, nous avons nous-mêmes formé et entraîné nos chevaux en se focalisant sur ce qu'ils allaient avoir à effectuer. Voilà un des chevaux entraînés par Ed. Un ombre robuste a l'air un peu effronté. On l'a appelé Baldi. À la base, on l'avait acheté pour faire du rodéo, mais ça ne lui plaisait pas du tout. Donc on l'a pris avec nous et on a passé beaucoup de temps à le former. Par moments, je pensais vraiment qu'il n'y arriverait pas, qu'il n'était pas fait pour ça. Mais ma femme m'a convaincu d'insister. Finalement, il s'est révélé être un de nos meilleurs éléments. Il est agile, fort et intelligent. C'est tout sauf un tir au flanc. Il est entreprenant et très généreux, mais il est aussi plein de bon sens et très calme. Il s'occupe parfaitement des débutants et de tout le monde, d'ailleurs. Le cheval rouan, monté par Robin, la fille de Ed et Judy, est également un des chouchous de la famille. On a consacré beaucoup de temps à l'entraîner. On lui a appris son métier et a bien maîtrisé ce qu'il faisait. Il a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Et au bout du compte, c'est devenu un excellent cheval. On a besoin de chevaux robustes et puissants, parce que la majorité d'entre eux va devoir transporter des débutants ou bien des cavaliers qui n'ont pas monté depuis longtemps et qui n'ont pas un bon équilibre. Un cheval plutôt trapu avec un centre de gravité assez bas sera plus approprié car il pourra s'abaisser plus bas. De même, il est important que le cheval ait un port de tête assez bas pour mieux voir où il va, plutôt qu'un cheval qui garde la tête trop haute. Un passage de sangle profond représente aussi un avantage considérable. Ça donne au cheval une meilleure capacité cardiaque et pulmonaire. Et comme nous sommes en altitude, les chevaux ont besoin de tout l'air qu'ils peuvent stocker. Il y a une autre caractéristique qui est très importante ici, même si on a tendance à l'oublier. C'est un cheval qui se déshydrate trop vite. Beaucoup de chevaux sont trop fins et ont tendance à perdre facilement du poids. Ces chevaux-là peinent à s'adapter ici parce qu'ils ont du mal à tenir la distance. Ils n'ont pas assez d'énergie. Ce qu'on cherche, ce sont des chevaux tranquilles, forts et qui font preuve de sang-froid. Ils doivent également être capables d'analyser une situation. Si par exemple, ils se retrouvent confrontés à un obstacle, comme un tronc en travers de la piste, ce qui arrive souvent, le cheval décidera-t-il de sauter par-dessus ou est-ce qu'il prendra le temps de faire le tour pour l'éviter? La même question se pose pour un cours d'eau. Le cheval doit être capable de prendre la bonne décision. Un bon cheval de randonnée, un cheval suffisamment intelligent, prendra soin de son cavalier. Si c'est moi qui monte mes chevaux, la plupart vont s'agiter comme s'ils s'apprêtaient à participer à un rodéo. Mais si vous leur mettez un débutant sur le dos, ils se transforment en babysitter attentionné. Au début, les cavaliers me disent souvent « Mon cheval veut pas faire ci, mon cheval veut pas faire ça ». Mais au bout du quatrième ou cinquième jour, le cheval a appris à les connaître. Je dis toujours à mes randonneurs que c'est le seul moyen de vraiment connaître la montagne. Bien sûr, vous pouvez l'observer par la vitre de votre voiture ou bien dans les films. Mais le seul moyen de vivre pleinement une randonnée en montagne est de le faire à dos de cheval. De cette façon, vous faites vraiment partie de la nature qui vous entoure. Vous naviguez à travers les arbres, au gré du vent. Vous pouvez sentir l'odeur des arbres, l'odeur des chevaux et sentir le vent contre votre peau. La montagne dégage quelque chose de magique. Des vacances à dos de cheval vous permettent de ressentir cette magie. Après avoir bien observé les randonneurs qui accompagnent Ed et Judy, et ceux de l'Ordre des Rocheuses canadiennes, je me rends compte de l'excellent travail effectué par ces chevaux de randonnée. Des voyageurs peuvent ainsi visiter des endroits qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans l'aide de ces montures patientes et compréhensives. Une bonne partie de l'aventure consiste tout simplement à monter l'animal.
Les randonneurs sont à cheval et on associe souvent le cheval à toutes sortes de notions romantiques. Ils peuvent observer les chevaux, que ce soit pendant la randonnée ou le soir dans leur enclos, ou encore le matin lorsque les guides les amènent et les préparent. C'est impressionnant de voir à quel point ils peuvent se montrer agiles face à des situations délicates, par exemple quand ils doivent passer un barrage de castors ou un chemin très étroit. C'est pour toutes ces raisons qu'on s'est battu pour perpétuer toutes ces activités et pour les rendre accessibles au plus grand nombre. On veut que les générations futures puissent toujours se réjouir à l'idée de franchir le col d'une montagne, tout en ayant l'impression d'être les premiers à avoir jamais foulé ce sol. Beaucoup de personnes peuvent ainsi voir se réaliser leur rêve d'aventure en pleine montagne grâce à la patience et à la bienveillance de ces incroyables chevaux de randonnée. Je vous souhaite de pouvoir vivre cette expérience un jour ou l'autre. Mais en attendant, ne ratez pas les prochains épisodes de World of Horses. L'une des meilleures façons de mettre à l'épreuve le caractère d'un cheval est de le faire travailler pour la police. En pleine heure de pointe, entourés d'adultes et d'enfants qui les adorent, les chevaux de la police doivent rester calmes et stoïques, quoi qu'il arrive. Mais ils doivent également être prêts à affronter des situations telles que celle-ci. D'où viennent les chevaux de la police et comment sont-ils entraînés? Ce sera le sujet de cet épisode de World of Horses, présenté par votre serviteur, John Scott. La police montée opère dans de nombreuses villes à travers le monde. Pour beaucoup, voir un cheval dans un environnement urbain n'a rien d'inhabituel. En revanche, cette situation est inhabituelle pour les chevaux. Elle est d'ailleurs diamétralement opposée à l'esprit de troupeau qui a permis aux chevaux de survivre depuis des milliers d'années. Par nature, les chevaux broutent. Ce sont des herbivores. Bien qu'ils soient capables de se défendre en mordant ou en bottant, ils préfèrent fuir pour tenter de se protéger. Ils sont aptes à distancer leurs prédateurs. Ils sont en permanence en alerte. Au moindre bruit ou mouvement qui pourrait représenter un danger, ils sont prêts à prendre la fuite. Comparés à leur vie en liberté, les chevaux de la police doivent effectuer un énorme travail de confiance et recevoir un entraînement intense. De nombreux cavaliers vous diront que pour qu'un cheval accepte d'effectuer des tâches qui ne lui sont pas naturelles, le plus important, c'est la confiance. J'ai pu voir de nombreux exemples d'une telle confiance entre un cheval et son cavalier, mais rarement aussi spectaculaire que chez le Blue Squad. Le Blue Squad est une troupe de policiers de Buenos Aires qui donne avec leurs chevaux des représentations à travers le monde entier, telles que celle-ci, aux Jeux mondiaux des policiers et des pompiers à Calgary.
L'inspecteur Alejandro du Blue Squad m'explique que la troupe a été fondée en 1962 dans le but de montrer jusqu'où pouvait se développer la relation entre le cheval et son cavalier. En dehors de leur représentation, ces policiers et leurs chevaux arpentent tous les jours les rues de Buenos Aires. Chaque policier apprend personnellement à son cheval à s'asseoir et à s'allonger, afin de bâtir la confiance entre l'homme et l'animal. Une fois en service, l'agent pourra alors compter sur son cheval qui ira jusqu'à risquer sa vie pour protéger son cavalier. Bien qu'un tel niveau de compétence vienne bien entendu de l'entraînement du cheval, sa lignée et son pédigré sont également à prendre en compte. Le capitaine Carlos Mina, vétérinaire et porte-parole du Blue Squad, m'explique que ces chevaux sont issus du croisement entre un étalon pur sang et une jument descendant en partie du criollo argentin. La légende veut que le conquistador espagnol Pedro Mendoza ait importé une centaine de chevaux dans le sud de l'Argentine, il y a plusieurs siècles de cela. C'est donc là, dans les plaines, que s'est développé le criollo, un cheval courageux, loyal et travailleur. Les chevaux qui travaillent pour la police ou pour le Blue Squad sont généralement nés de juments déjà domptés et accouplés à un étalon ayant le même caractère calme. Les poulains sont entraînés dès le plus jeune âge et sont donc en relation avec l'homme presque dès la naissance. En dehors de l'arène, les cavaliers du Blue Squad s'occupent eux-mêmes d'harnacher, de toiletter et de nourrir leurs chevaux, ce qui permet de renforcer les liens entre l'homme et sa monture. Voilà donc le secret qui permet aux policiers du Blue Squad d'effectuer avec leurs chevaux ces incroyables performances. Gagnez la confiance du cheval en faisant preuve de gentillesse, de respect et en prenant soin de lui, et votre cheval fera tout ce que vous lui demandez. Nous voici à Al Azhar, à Calgary, dans la province de l'Alberta, où se situe le siège de la police montée de Calgary. Ici, les chevaux ont la même vie que tous les autres, voire même meilleure. La seule différence, c'est que lorsqu'ils doivent travailler, ils se rendent alors dans les rues, les parcs et les alentours de la ville. L'inspecteur Hélène Vust, de la police montée de Calgary, me parle de son cheval, Apollo, et du travail de surveillance qu'ils effectuent ensemble en ville. Les chevaux ont toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais ado, je les adorais déjà et on avait des chevaux dans notre ferme. Ce n'était pas un problème tant que j'y vivais encore, mais ensuite, quand j'ai commencé ma carrière, il a bien fallu leur dire au revoir. En ce moment, mon partenaire s'appelle Apollo. Je le monte depuis 3 ans maintenant et nous sommes devenus très proches. Avec le temps, votre cheval apprend à vous faire de plus en plus confiance. C'est un travail de longue haleine. J'ai de la chance de pouvoir monter le même cheval depuis si longtemps. Apollo est un ongre docile, très grand et incroyablement patient. Tout à fait le genre de cheval que la police recherche. L'inspecteur Derek McCougan, faisant également partie de la police montée, nous explique le processus de sélection des chevaux. On recherche des ongres qui mesurent au minimum 1,62 m et possèdent une charpente solide. Ils doivent être déjà domestiqués à leur arrivée. Apollo est un ongre hanovrien âgé de 11 ans. Il est né et a été élevé à Spruce Meadows et il mesure plus d'1,70 m. Je crois qu'il fait 1,75 m. Il est avec nous depuis 8 ans environ et il s'est révélé être un cheval très pondéré, calme et de très bonne composition. Généralement, lorsqu'une nouvelle recrue rejoint notre unité, elle s'entraîne principalement avec Apollo parce qu'il connaît les ficelles du métier. Il sait ce qu'il faut faire et il pourra lui faciliter la tâche.
On n'a pas le temps d'élever nous-mêmes nos chevaux. Ceux que nous recevons doivent nous prouver qu'ils possèdent ce que nous recherchons sur le plan moral et physique. Nous, on l'arnache, on le monte et on le confronte à son nouveau travail. Le cheval de l'inspecteur Derek McCougan de la police montée est un ongre trachénaire dénommé Spider. Notre trachénaire a une silhouette très anguleuse car il est issu de plusieurs croisements. Il aura 8 ans au printemps prochain. Cela va bientôt faire 3 ans qu'il est avec nous. Il possède un squelette très lourd et très épais. Il a un tempérament très calme, il aime travailler et il est très consciencieux. C'est mon cheval personnel. Je l'ai entraîné quand il est arrivé parmi nous. J'ai passé tout mon temps avec lui. Je l'apprécie beaucoup. Je me suis énormément attaché à lui. Il est digne de confiance. Le choix par les policiers de ces grands Européens à sang chaud se révèle très intéressant. Par le passé, les races telles que les Hanovriens et les Trachénaires étaient utilisées pour porter les chevaliers en armure. Les armures devenant de plus en plus lourdes, il fallait donc des chevaux de plus en plus costauds. À la fin de cette période, certaines de ces races géantes furent utilisées comme chevaux de trait. D'autres devinrent des chevaux de compétition, y compris des chevaux d'obstacle. D'autres encore devinrent les montures des unités de cavalerie ou de forces de police, les chevaliers d'une ère nouvelle. Les chevaux de la police travaillent à la vue du public. La police montée doit donc s'assurer qu'ils soient toujours au mieux de leur forme. On s'assure que les poils de sa barbe soient coupés. On les taille au niveau du passage de la bride et on vérifie que leur crinière soit bien égalisée. On écourte également leur queue si elle devient trop longue. On nettoie leurs sabots, on les brosse et on brosse entièrement leur crinière et leur queue. Ils doivent être le plus beaux possible. La plupart du temps, le travail des chevaux de la police se résume à ce genre de situation. Il leur faut alors rester calme et éviter de piétiner qui que ce soit. Mais ils doivent également se tenir prêts et surtout ne commettre aucune erreur au cas où la situation deviendrait bruyante, chaotique, voire même violente. Pour atteindre un tel niveau de discipline, un cheval doit être entraîné, afin d'en arriver au point où on pourra entièrement lui faire confiance. Oui, des briques de polystyrène, des morceaux de bois enchevêtrés, des sacs en plastique. Une journée d'entraînement met bel et bien l'essence du cheval à rude épreuve. Il doit apprendre à élargir sa notion de ce qui est normal et acceptable. J'ai découvert que le plastique pouvait poser un vrai problème à certains chevaux. L'animal peut très bien ne pas avoir peur d'un signal d'alarme, d'un coup de feu ou d'une sirène, mais être terrorisé par du plastique. Je pense que pour un cheval, du plastique disséminé sur le sol doit avoir l'air d'un gros trou. Il doit donc avoir entièrement confiance en vous si vous voulez qu'il passe par-dessus. Lorsqu'il se retrouve confronté à la foule, le cheval porte lui aussi une tenue de protection. D'après l'inspecteur McCougan, cet équipement lui permet de se sentir davantage en sécurité. Là, sa tête est bien protégée. Ce masque protège son nez et toutes les parties sensibles de sa tête. Parce que si quelqu'un commence à nous jeter des projectiles, c'est là qu'il risque d'être blessé. Son poitrail, lui, est tellement massif que même s'il reçoit un gros coup, il ne devrait pas en souffrir. Ce harnachement ne le comprime pas et ne risque pas de le blesser. En tout cas, on a remarqué que les quelques fois où on avait utilisé ces équipements, cela avait l'air de donner au cheval plus confiance en lui. Il avait l'air plus sûr de lui. Voilà pourquoi on utilise ce matériel. Ça le sécurise et ça le protège. Il est prêt à affronter une émeute maintenant. On entraîne les chevaux avec une balle géante d'environ 1,80 m de diamètre.
On la presse contre le corps du cheval pour qu'il s'habitue à sentir une pression contre lui. On apprend au cheval qu'il doit rester stable sur le sol. À partir de là, il peut commencer à pousser la balle et à la déplacer. Ce sont les bases d'apprentissage pour apprendre à maîtriser la foule. Quand ils arrivent chez nous, les chevaux n'ont jamais eu à pousser quoi ou qui que ce soit. Alors c'est quelque chose qu'on doit leur apprendre. Au début, ils sont hésitants, mais avec du temps et de la patience, ça finit par devenir un jeu pour eux. J'ai travaillé avec de nombreux chevaux sur des tournages de films et je leur ai demandé d'accomplir beaucoup de choses incongrues. Mais aucun d'entre eux n'avait autant de sang-froid que les chevaux de la police. Je suis le seul inspecteur à monter Apollo régulièrement. Quand je pars en vacances, Apollo en profite pour se reposer également. Pendant mes jours de congé, il se détend en général dans un pré. C'est important pour un cheval d'avoir un partenaire régulier, surtout dans notre métier. À force de monter Apollo, je connais ses petites manies. Je sais ce dont il a peur et ce dont il n'a pas peur. Je sais ce qu'il peut endurer et jusqu'où je peux le pousser. On est avant tout des officiers de police. Quand on patrouille dans la rue, on fait le même travail que si on était dans une voiture de police. Patrouiller en zone urbaine ne me semble pas possible sans une police montée. Il y a bien trop de pistes cyclables ou bien de parcs dans la ville qui ne sont pas accessibles aux véhicules. Parfois, les gens nous arrêtent en plein milieu d'un parc pour nous remercier d'être là et pour nous dire qu'ils se sentent rassurés de savoir qu'on sera là pour intervenir à tout moment et à n'importe quel endroit. À partir du moment où les gens savent que la police montée pourra intervenir, où qu'ils soient, même dans une zone complètement désertée d'un parc, on peut espérer que cela fera baisser la criminalité. On ne cherche pas à stationner sur le bord de l'autoroute pour arrêter les véhicules qui roulent trop vite. On préfère se positionner dans les zones où il y a des enfants pour assurer les habitants du quartier qui s'inquiètent et pour faire respecter les règles de sécurité aux automobilistes. Quand on commence à travailler avec un nouveau cheval, on doit parfois consacrer une journée entière à régler un problème en particulier. Ça peut être un pont à traverser ou un endroit dans le parc ou alors en plein centre-ville. Par exemple, Apollo n'aime pas quand il y a des voitures derrière lui alors qu'il accepte sans problème de se retrouver en plein milieu d'une rue à sens unique avec des voitures qui lui foncent dessus. On passe donc beaucoup de temps à régler ce genre de soucis. Mais ensuite, c'est bien plus facile de remonter sur le cheval et d'essayer de lui faire affronter ses peurs. Le cheval nous fait confiance et il sait qu'on ne va pas le mettre dans une situation dangereuse. Mais le travail de la police montée ne se limite pas au parc et au sentier. Elle doit s'aventurer sur des territoires auxquels le cheval est loin d'être habitué. La plupart du temps, voilà en quoi consiste le travail d'un cheval de la police. Son sang-froid est majoritairement mis à l'épreuve par les vélos, les voitures et les passants qui ne peuvent pas s'empêcher de venir le caresser. On ne peut pas prendre le risque qu'un de nos chevaux cherche à mordre ou à botter. On est souvent entouré de beaucoup de monde et par de nombreux enfants. Et bien sûr, généralement, ils ne connaissent rien aux chevaux. Un jour, à Prince Island Park, alors qu'on était entouré par la foule, sans que je m'en rende compte, un petit garçon de 4 ans est passé derrière Apollo et lui a soulevé la queue pour voir ce qu'il y avait en dessous. Apollo s'est contenté de reculer un peu, il a fait un pas en arrière, ce qui m'a permis de m'apercevoir de la présence du petit garçon. On passait par là. On a simplement entendu un bruit et on a trouvé cet homme qui avait été blessé. Si on avait été en voiture, on ne se serait probablement pas arrêté.
Plus j'y pense, et plus je me dis que ces chevaux sont vraiment incroyables. Appel au 4352. Oui, j'écoute. On a reçu un appel à propos d'un regroupement pas loin de vous. On a quelques plaintes. Ok, je vais voir ça. Naturellement, il arrive forcément un moment où l'entraînement des chevaux de la police montée va devoir être mis en pratique. Les flics! Pose cette bouteille de bière, pose-la. Les mains bien en évidence. Va rejoindre tes amis. J'ai rien fait! Va rejoindre les autres, je te dis. Faites reculer votre cheval! Ces chevaux ne sont pas dressés pour faire du mal aux gens. Bien au contraire. Ce sont des agents impartiaux et la population semble bien en avoir conscience. Lorsqu'on nous amène un nouveau cheval, on exige beaucoup de lui d'un seul coup. Si ça se trouve, ce cheval a passé toute sa vie dans la même ferme, ou bien dans un ranch. Et d'un seul coup, on l'oblige à aller en ville et à affronter la foule. Il doit apprendre à contrôler cette foule, et même à la repousser. Mais il doit le faire en gardant son calme et en restant discipliné. Les chevaux sont de merveilleux ambassadeurs pour les forces de police. Si par exemple on arrive à Prince Island Park ou n'importe où ailleurs, on se retrouve systématiquement entouré de toute une foule. Certains citadins n'ont jamais eu l'occasion de voir un cheval et encore moins d'approcher un cheval de la police et de discuter avec les agents dans des circonstances détendues et amicales. En ce sens, ce sont d'excellents ambassadeurs. Je crois qu'Apollo est l'un des chevaux les plus patients auxquels j'ai eu affaire. Il aime bien quand les gens viennent le voir. Il aime la foule. Il pourrait passer la journée à se laisser caresser ou se laisser gratter derrière l'oreille par des passants. Il est très patient et très gentil. Il a un caractère très doux. Il adore avoir des admirateurs et que les gens viennent nous parler. Ça lui permet de passer une bonne journée, tout comme moi. Les inspecteurs de la police montée considèrent leurs chevaux comme d'excellents ambassadeurs. Et on peut dire qu'ils ont raison. Il suffit de regarder la tête des passants lorsque la police montée est dans les parages. Le respect et l'affection que la population ressent pour les chevaux vaut également pour les agents de police, et même sans doute pour les forces de police en général. J'espère que vous aurez apprécié cette rencontre avec les meilleurs agents de la ville, qu'ils aient deux ou quatre pattes. Ne manquez pas le prochain épisode de World of Horses.